Bonjour à tous. Dans ce nouvel tutoriel, je vais vous montrer comment créer une chaîne YouTube de zéro. Donc, c'est-à-dire, nous allons créer le compte Gmail, créer la chaîne YouTube et personnaliser la chaîne YouTube. Donc, c'est parti. Ok. Donc, vous allez aller sur votre interface YouTube et si vous n'avez pas de compte YouTube, vous aurez ce bouton se connecter à votre compte YouTube. Donc, vous allez cliquer sur ce bouton. Et en cliquant sur ce bouton, l'interface sera ouvert devant vous. Vous allez choisir sur utiliser un autre compte. Si vous avez déjà la liste des comptes devant vous, donc vous allez seulement cliquer sur utiliser un autre compte. Donc, en cliquant sur ce utiliser un autre compte, vous allez cliquer sur créer un compte. Donc, vous allez choisir créer pour mon entreprise. Donc, en cliquant sur créer pour mon entreprise, vous serez redirigé sur cette interface. Donc, l'avantage avec le compte Gmail professionnel, c'est que vous avez la possibilité de créer un compte YouTube avec un nom différent de votre nom que vous avez utilisé sur votre boîte Gmail. Vous pouvez aussi autoriser d'autres utilisateurs à accéder à votre chaîne YouTube, mais pas avoir accès à votre compte Gmail. Et aussi, bon, il y a plein d'autres avantages, comme vous ne pouvez pas, lorsque vous ne souhaitez pas avoir votre adresse Gmail affichée publiquement, et le compte Gmail professionnel vous permet de faire aussi ça. Donc, c'est un peu ça l'avantage d'avoir un compte Gmail professionnel. Donc, vous allez sélectionner la création. Donc, après avoir mis votre nom et votre prénom, vous allez sélectionner une boîte professionnelle. Donc, vous allez cliquer sur créer une adresse Gmail à la place. Et en cliquant sur créer une boîte Gmail à la place, maintenant vous pouvez choisir un nouveau nom pour votre adresse Gmail. Okay. Une fois que vous avez choisi votre adresse Gmail, vous allez mettre votre mot de passe. Votre mot de passe, vous allez cliquer sur suivant. Ok. Donc, vous allez faire la vérification de votre numéro de téléphone et vous mettre aussi votre adresse email de récupération. C'est facultatif. Là, je vais sélectionner les autres options pour pouvoir avancer sur la création du compte, l'utilisation et les accepter. Et voilà. On vient de créer notre compte Gmail. Donc, pour la création de la fiche sur Google My Business, bon, nous allons passer ça parce que c'est pas ça le but de ce tutoriel. Donc, pas maintenant. Non, merci. Donc, là maintenant, nous avons un compte Gmail. Nous allons passer à la création de la chaîne YouTube. Donc, pour créer la chaîne YouTube, après avoir créé le compte Gmail, vous allez cliquer sur l'icône en haut, en coin, ici. Vous allez cliquer sur ça et ça va afficher votre nom et votre adresse Gmail. Donc, vous allez cliquer sur créer une chaîne. Donc, comme je vous disais, le fait d'avoir un compte Gmail professionnel vous permet de modifier le nom de votre chaîne. Vous pouvez avoir un nom de chaîne qui est différent de votre nom personnel. Donc, c'est ça ce que nous allons faire ici. Nous allons afficher le nom de notre chaîne pour avoir un nom différent de notre nom personnel. Donc après avoir défini votre nom pour votre chaîne YouTube, vous allez cliquer sur créer une chaîne en bas ici et vous allez attendre quelques minutes le temps que YouTube prend en compte votre requête et que la chaîne soit créée. Et bien voilà, nous venons de créer une chaîne YouTube avec succès. Donc, maintenant nous sommes dans la dernière partie de ce tutoriel. Donc, et nous allons voir une chose très importante pour notre chaîne. Et maintenant, bon, pour commencer, je vais vous assurer d'avoir liké la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, une fois que ce serait fait, nous allons attendre la dernière partie de ce tutoriel. Donc, la dernière partie de ce tutoriel, c'est d'avoir activé les fonctionnalités très importantes
de YouTubeurs tels que à poster une vidéo supérieure à 15 minutes et faire des lives sur sa chaîne YouTube. Donc, pour les nouveaux comptes, c'est un chemin qui ne sont pas fortement activés. Donc, nous allons aller dans la paramètre pour activer cette fonctionnalité. Donc, cliquez ici sur votre icône qui est en coin ici et cliquez sur YouTube Studio. Donc, YouTube nous souhaite la bienvenue sur son interface. Donc, nous allons ici continuer. Donc, pour ce faire, nous allons aller sur Paramètres ici. Donc, sur Paramètres, nous allons aller au niveau de votre chaîne et au niveau de chaîne, vous allez cliquer sur Accéder aux fonctionnalités. Donc, les fonctionnalités par défaut sont activées. Les fonctionnalités nécessitant la validation d'un numéro de téléphone sont telles que je l'ai déjà dit précédemment. Vous ne pouvez pas envoyer des vidéos plus de 15 minutes, vous ne pouvez pas faire des miniatures personnalisées et vous ne pouvez pas aussi faire des streamings. Donc, on va valider notre numéro pour activer cette fonctionnalité-là. Donc, vous allez cliquer sur Vérifier notre numéro. Donc, ici, vous allez sélectionner votre pays. Moi, ici, actuellement, je suis au Togo. Je vais mettre Togo. Et je vais mettre mon numéro. Donc, une fois que vous avez renseigné votre numéro, cliquez sur Obtenir le code. Et une fois que vous aurez le code Gmail, vous allez mettre ça dans ce formulaire. Donc, moi, je vais mettre mon code Gmail ici. Puis, je vais valider. Donc, mon compte a été validé et mon numéro de téléphone lui a été ajouté. Donc, vous allez voir que là maintenant, je viens d'activer toutes les fonctionnalités sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à ajouter une pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Dans un prochain tutoriel, je vais vous montrer comment changer la bannière YouTube. À tout. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.